merci. Il n'a pas assez de temps pour continuer le débat, donc je pense qu'il faut passer aux déclarations de députés. Et la première déclaration de député de ce matin va à... Ah, le député d'Humber River Black Creek a une déclaration de député ce matin. Merci, Monsieur le Président. Vous savez ce qui manque dans le discours autour de ce gouvernement? Du leadership sur la crise de l'assurance en Ontario. Il y a eu plus une réduction de 70% dans le trafic, mais on a les taux d'assurance les plus élevés. Ce gouvernement a laissé qu'on laisse. 6,7 milliards de dollars qu'ils ont fait quand tout le monde a eu des difficultés. Les taux d'assurance automobile ont continué à augmenter. Et y a-t-il du leadership de ce gouvernement? Non. Il faisait des relations publiques. Les petites entreprises qui ont des difficultés à maintenir leur entreprise assurée, que les primes ont augmenté de 2 ou 3 %. Les entreprises étaient fermées, il n'y avait personne. Mais les tarifs ont triplé pour assurer qu'il y ait des profits. Après tout ce que les petites entreprises ont fait, est-ce qu'on a réduit l'assurance commerciale? Rien. Et ça a coûté le coût des maisons. Est-ce que le gouvernement a fait des gestes? Non. Toute industrie est sur le point de s'effondrer, mais le gouvernement fait rien. Après 50 années de service, Burlington Taxi, par exemple, va fermer parce qu'il a trop d'assurance. Et il y a souvent beaucoup d'établissements de musique et de divertissement qui vont fermer. Je soulève la question d'assurance et ce que j'ai, c'est du silence. Il y a une crise dans le domaine d'assurance et ce gouvernement doit juste soit répondre, soit se mettre de côté. Merci. Déclaration de député suivante, député de Bruce Gray Owenson. Il y a Warrington Mill qui est décédé après presque 5 ans de faire beaucoup de services. Je veux donner mes condoléances à la municipalité de South Bruce, la personne, les populations de Warrington et des gens du pays de la perte de cette icône canadienne. J'ai passé beaucoup de temps à Warrington et je me souviens de ce jour de la marmotte et j'étais directeur quand de l'événement en 99, la première fois où la première marmotte est décédée. Warrington Will est quelqu'un, un icône très aimé et les gens se rassemblent pour célébrer la journée de la marmotte. Si on va voir et attendre de voir si la marmotte va voir son ombre pour savoir si ça continue. Et il y a Punk Sutton on the Field, Jimmy the Groundle, Danford Day, Stanley Like Check et Balzac Bill. Warrington Will est aussi spécial comme cette personne, mais le seul animal qui fait des prognoses, qui est un albino. Et donc, on veut le savoir. Pour le groupe d'amis et le journaliste Mackenzie qui a cherché une marmotte, et le reste, c'est l'histoire. Aujourd'hui, plus de 61, Wired continue à célébrer cet événement qui est transmis à travers le monde. L'événement, c'est un témoignage à la population de Wired et d'esprit des petites villes de l'Ontario. Le premier ministre Ford est allé à 2 fois, le seul premier ministre qui était présent. Et je sais qu'il est impressionnant avec l'amitié des gens de la circonscription de Bruce Gray on Sound. J'espère que tout le monde qui écoute va voir le 2 février si la marmotte va voir son ombre ou pas. Merci à Warrington Billy. Déclaration de député suivante à la députée de London Fanshawe. Merci. Les gens de London trouvent difficile de trouver un endroit abordable où vivre. Le coût moyen de le loyer a augmenté de 70 %. 80 % des gens ne peuvent pas payer le loyer. Et des itinérants à London meurent
un taux sans précédent d'une personne par semaine cette année. Il y a une crise du logement, les coûts du logement sont faramineux. Et encore, cela dit, je suis un aîné et je ne peux pas payer le coût des appartements à London. Le logement avec des soutiens n'est pas possible pour moi parce qu'il y a des listes d'attente. Je serais poussé à l'itinérance. Ce n'est pas juste les locataires. Il y a des propriétaires qui ont des revenus limités, qui ne peuvent pas payer les rénovations et qui ne peuvent pas vendre parce que le coût de vendre est trop élevé. Et il y a 3 000 logements abordables qui manquent à London. Et la Société canadienne de l'hypothèque et du logement dit que qu'il y a seulement 30 logements par 1000 locataires qui gagnent moins de 36 000 $. Je demande à ce gouvernement quel est leur plan pour maintenir des gens comme les gens de ma circonscription afin qu'ils puissent avoir un toit sur leur tête. Merci. La déclaration suivante du député, c'est le député de Markham-Newville. Merci, Monsieur le Président. La protection de nos proches et assurer que nos aînés reçoivent les soins qu'ils méritent est au centre de tout ce que notre gouvernement fait. En mars, notre gouvernement a fait un investissement historique à 80 projets de soins de longue durée partout en Ontario. Il inclut un dans ma circonscription de Markham-Newville. Ce mois, j'étais très content d'avoir une cérémonie d'inauguration du campus de soins pour les aînés avec le ministre des services aux aînés et de l'accessibilité, le député de Scarborough-Agincourt. J'étais très fier d'appuyer 116 nouvelles places dans un foyer de soins de longue durée qu'on va, ce campus va offrir à nos aînés. De plus, un centre de soins de longue durée, le campus des aînés va inclure aussi un établissement de formation des préposés et une unité de vie juste à côté. On fera des mises en chantier. Monsieur le Président, notre gouvernement va continuer à livrer notre engagement de livrer des foyers, 30 000 places de soins de longue durée d'ici 2021. Après des décennies d'inaction du gouvernement précédent, ce sera notre gouvernement qui va réparer les choses dans le domaine des soins de longue durée et que s'assurera que les aînés reçoivent les qualités, les services de qualité qu'ils méritent maintenant et dans l'avenir. Merci. Merci. La déclaration de députée suivante, c'est la députée de l'Université Rosedale. Merci. Il y a beaucoup de travailleurs blessés qui passent beaucoup d'années à attendre le dédommagement de la SASPAT. Une de ces personnes, c'est Donald, un homme de 64 ans qui a le cancer, laryngeal et d'autres, aussi une maladie pulmonaire et des maladies qu'il a attrapées dans son travail et dans la construction et il a été exposé à l'amiante aussi bien que la poussière de la silice et beaucoup, ce qui a amené à beaucoup d'autres produits cancéreux. Mais ça a pris la SASPAT 11 ans à savoir qu'il est. Et pendant ce temps-là, cependant, il a perdu sa maison. La lutte n'est pas terminée. La SASPAT a déterminé que Donald avait un emploi et a réduit ses paiements parce qu'il disait qu'il pouvait conduire comme chauffeur d'autobus. Si vous ne connaissez pas la détermination de la SASPAT, c'est quand la SASPAT prétend un travailleur a un emploi qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas l'avoir afin de réduire et éliminer leurs prestations. Ce gouvernement a conçu la SASPAT pour protéger les employeurs, pas pour aider les travailleurs blessés. Et ce gouvernement rend la SASPAT pire avec le projet de loi 27, envoyant de l'argent aux employés plutôt que de donner aux travailleurs blessés qui sont admissibles. Je demande à ce gouvernement de changer cela pour aider des gens comme Donald et des travailleurs blessés dans toute la province. Merci.
La déclaration de député, le député de Chatham-Kent-Lymington. Merci, le 26 août, dans ma circonscription Chatham-Kent-Lymington. Une explosion du gaz a réduit un quartier au centre-ville et c'était causé parce qu'il y avait du sulfide d'hydrogène de beaucoup de puits qui sont abandonnés. 2800 résidents de la communauté Waitley-Strong ont eu des dommages, mais heureusement, personne n'est décédé. Mais 38 entreprises et 68 résidences ont été touchées. Et on a installé de l'équipement pour voir s'il y a des problèmes et on a découvert 3 autres fuites. On donne du confort aux résidents qui restent, qui n'ont pas été évacués, mais qui sont sur le qui-vive. Le gouvernement continue à appliquer une approche collaborative pour la municipalité de Chatham-Kent. Et Whitley est une communauté très forte. Dans le temps de tragédie, je suis reconnaissant du renforcement du premier ministre Ford, du premier ministre Rickford et le personnel du ministère du Développement du Nord, des mines et des recherches naturelle. Et on a de l'aide de 2 millions de dollars sur une base quotidienne. Et le 17 novembre, le ministre Rick va annoncer un investissement supplémentaire de 3,8 milliards pour un total de plus de 5 millions. Merci. Déclaration de député, le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en donnant ma pensée aux familles qui sont touchées par les inondations dans la province de la Colombie-Britannique. Il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu des évacuations dans la région d'Abbotsford. Les forces armées canadiennes ont été déployées pour aider des résidents de la région. Le 17 novembre, la Colombie-Britannique a déclaré un état d'urgence à cause des fermetures d'autoroutes, aussi bien que des glissements de terrain. Ce qui a touché beaucoup de gens de la Colombie-Britannique. Pendant cette période difficile, on devrait être en solidarité avec nos collègues canadiens. Et si vous avez des familles qui vivent dans la région, je recommande de vérifier s'ils sont bien et de faire des dons pour les aider. Encore une fois, ce désastre naturel a causé beaucoup de souffrance pour beaucoup de Canadiens et Canadiennes. Et ça nous réchauffe le cœur de voir que la communauté se rassemble pour s'entraider. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député de Windsor-Tecumseh. Il y a 26 jours jusqu'à Noël et le président me dit « Et quand un poème ?» Oui, vous, le député de Windsor-Tecumseh. Eh bien, je dis, peut-être une déclaration de député, pour vous, je peux le faire. Et tout ce que j'ai besoin, c'est d'un autre à 90 secondes. « Ah non !» a dit le greffier et les gens à la table. « Nous avons un ordre du jour qui est censé nous maintenir à l'heure. » Et à la table, je m'excuse, mais on n'a pas de temps supplémentaire pour des poèmes de Noël et des rimes de Noël. Mais moi, j'ai dit, pourquoi nous sommes tellement pointilleux? Pourquoi pas s'amuser et un peu de poésie? Dans cette chambre, on a eu le premier poète officiel, un jeune homme appelé Randall, et peut-être plus de poésie qu'on aurait. Hark, les anges ont dit que ce n'est pas un poème à la table. Donc, si on avait du temps pour mettre la musique, on pourrait avoir une œuvre mineure. Alors, mes amis, essayez de vous souvenir que ce temps magique, comme les enfants, à chaque décembre, où tourner un rêve de Noël était possible et nos imaginations étaient vraiment, on ne pouvait pas s'arrêter. Mais juste un petit voyage. Et vous pouvez l'entendre, la poésie a peut-être touché on sourit et on a mis notre arme verbale. Et donc, ça a duré presque 90 secondes. Thank you to the member for Windsor-Tecumseh. His statement is always...
je dis aux députés de Windsor de Campsie, c'était vraiment joyeux comme Noël. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, cette semaine, ça nous a rappelé que l'automne est bien, l'hiver arrive, comme tous dans la province et dans ma circonscription de Nipissing-Pembroke. On va naviguer les conditions de l'été dans les mois à venir. Et on a eu des routes. Quand il y avait beaucoup de neige, des véhicules étaient coincés parce qu'on n'avait pas déneigé. La maintenance continue à améliorer. Il y a beaucoup plus de véhicules aujourd'hui que quand j'étais un jeune garçon. Plus de véhicules et plus d'occasions d'avoir des accidents. Une chose qui n'a pas changé, c'est l'importance de la préparation. Le plus qu'on est préparé après pour les températures de Noël et les conditions de Noël, le mieux c'est. Quand il y a du mauvais temps sur la route, j'encourage beaucoup de gens à s'assurer que mes pneus d'hiver sont en bonne condition et prêts à conduire, en plus d'être bien équipés. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de remplacement pour conduire selon les conditions. Le vieux dicton, quand c'est l'hiver, conduisez comme l'hiver, c'est des conseils qu'on doit prendre au sérieux. Maintenez aussi une trousse d'urgence parce qu'il y a souvent des problèmes. Mais travaillons ensemble, tous soit possible pour que les autoroutes puissent être le plus sécuritaires que possible cet hiver. Merci beaucoup. Ça nous amène à la fin des déclarations des députés. Je suis heureux d'informer la Chambre que la page Shireen de Markham Unionville, avec nous, il y a sa grand-mère, Madame Raja, et son grand-père, Monsieur Ampilai, et la mère de la page Clinton de bienvenue à Queen's Park. Je crois que le leader parlementaire du gouvernement a une annonce. Je demande le consentement unanime pour que les députés fassent des déclarations concernant le feu Harry Craig Parrott. 5 minutes pour l'opposition officielle, 5 minutes pour les indépendants et 5 minutes pour le gouvernement. Monsieur Callan demande le consentement unanime pour les déclarations en souvenir du feu Harry Craig Parrott. 5 minutes pour l'opposition officielle, 5 minutes pour les indépendants et en tant que groupe, et 5 minutes pour le gouvernement. Vous êtes d'accord? Accordé. Député de Windsor-Tecumseh. Président, j'ai l'honneur de la part de Andrew Horvath et mes collègues du NPD de vous parler de Harry Craig Parrott, qui est d'origine modiste dans une petite ville de Mitchell, pas le seul député libéral, un ancien président, est également de Mitchell. Harry avait grandi sur une ferme, il avait également une boutique de vêtements. Et son fils m'a dit qu'il n'aurait jamais pu devenir dentiste s'il n'y avait pas eu un prêt qu'il a reçu de la famille Edithoffer. Harry a dit comment il a mélangé sa politique, je ne sais pas. Harry Craig Parrott est décédé le même jour, le 2 juillet 2019. Il a épousé Isabelle, son amie d'école secondaire. Après 56 ans, elle est décédée en 2003. Je l'ai rencontré, Harry Parrott, lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Je l'ai interviewé à l'époque du gouvernement de Bill Davis. Son adjoint à l'époque, c'était Madame Eckers, qui est devenue députée conservateur et ministre.
Lorsque Harry est décédé, Janet a écrit que c'était l'un des meilleurs ministres de la couronne jamais. Ça avait été un privilège de travailler avec lui. Il a dit que c'était vraiment un gentleman. Et bon nombre de politiciens font semblant d'être dédiés au service au public, mais lui, c'était vrai. Bill Davis a noté le potentiel de Harry lorsque, en tant que ministre des collèges et des universités, il a fait face à un groupe d'étudiants manifestants. Et c'est là que M. Davis lui a donné le ministère de l'Environnement, croyant qu'il savait traiter des questions difficiles. À l'époque, le gouvernement cherchait des sites pour disposer des déchets liquides. L'ex-libéral, leader libéral Smith critiquait beaucoup le gouvernement et il réussissait souvent à énerver Harry Part. Et les critiques de Harry Warner concernant les collèges et l'université l'a tellement embêté que Harry est venu du côté de l'opposition et offert à David la possibilité de sortir pour régler l'affaire. Proposition qu'il a refusée. Vous savez, à l'époque, on siégeait souvent la nuit, le soir, et souvent on montait au bar pour prendre un verre et puis regarder le match de hockey. Janet Hecker nous a dit qu'une fois il y avait un late show, une discussion environnementale, et Harry a mis en cause l'utilité d'être présent. Mais il s'est disputé avec Janet Hecker de la valeur de ces late shows. Simplement, pour lui, c'était pour passer le temps, user le temps. Lorsqu'il est rentré, en rentrant chez lui, il passe... il a demandé aux gens qu'il a rencontrés au coin de Bale Wellesley s'ils savaient qui était le ministre de l'Environnement et s'ils étaient au courant des grandes questions. Personne ne savait rien. Harry a décidé de ne pas être candidat en 1980, ce qui a déçu Bill Davis. Lorsque je demandais à John Conway, ancien chef libéral, il a dit qu'il est distingué, réfléchi et au courant des dossiers, mais il n'aimait pas la rivalité politique et les moments où les ministres devaient défendre l'indéfensible. Janet Hecker était d'accord. Elle a dit qu'il était dans la politique pour les bonnes raisons. Il restait fidèle à ses principes. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer avec la passion et l'intégrité que cela exigerait. Harry croyait au bon gouvernement, éthique, travailler pour la communauté, pour la province. Il a dit une fois au dentiste qu'il a perdu deux troisièmes de son salaire pour devenir député. Alors, c'était un homme qui avait des principes. Il ne se prenait pas tellement au sérieux. Et en fait, il a été touché en 2017 lorsqu'on a nommé une station de pompage en son nom dans sa ville natale de Mitchell. C'était important pour lui parce que c'était un élément de l'infrastructure municipale qui était très important. Dennis Timbrell a été élu en 1971 avec 27 autres nouveaux députés conservateurs. Il se souvient de Harry qui se brossait les dents plusieurs fois par jour, comme tout bon dentiste. Et Janet Hecker dit que pas la peine de lui poser des questions lorsqu'il préfère se brosser les dents. Alors, Janet et Harry s'entendaient bien et chaque fois qu'il y avait des élections, chacun donnait 2 dollars pour parier sur le résultat des élections. Ils cachaient l'argent sous la statue de Sir John A. Macdonald dans la salle du cabinet. Après la retraite, Harry a commencé à travailler avec les chevaux pure race. Il a, après la mort de sa femme, il a déménagé à Woodstock et il a marié. Il s'est remarié.
ils avaient vraiment des chevaux. Ils s'est intéressé aux chevaux pure race et il était très dévoué aux chevaux, à sa famille. Et 4 jours après la mort de Harry, son cheval préféré a gagné encore une fois, remportant une victoire qui a apporté 90 000 $ les sommes que ce cheval a gagnées. Depuis, il y a eu plus de 210 000 $ de gains. Harry est mort à l'âge de 94. Il avait de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous pensons à sa famille et tous écoutent virtuellement d'à travers l'Ontario et même de Caroline du Nord. Lorsqu'il est décédé, William Rowe a écrit que le monde a besoin de plus de Harry Parrott et nous sommes tous d'accord avec cet avis. C'est un bon moment pour nous rappeler un ancien député conservateur exemplaire, Harry Parrott. Merci. Député d'Orléans. Merci beaucoup, Président. J'ai l'honneur de prendre la parole pour dire quelques mots sur Harry Parrott, député de Oxford, né ce jour en 1925. Il a passé son enfance à Mitchell après les études secondaires et a commencé un nouveau chapitre. Il a assisté à l'Université de Toronto pour devenir dentiste. Sa passion pour la profession l'a amené à faire des études d'orthodontie. Et même s'il était orthodontiste, il était toujours très enraciné dans la communauté et souvent volontaire, bénévole. Son amour pour la communauté l'a amené à devenir candidat pour la commission des services publics de Woodstock, et également la commission scolaire. En 1971, il a été élu député pour la circonscription de Oxford dans le gouvernement Davis. Il s'est décrit comme quelqu'un d'idéaliste, nouveau, qui aimait des fois être rebelle. Et après avoir envoyé des lettres difficiles à des ministres, il a appris à modérer un peu sa défense des intérêts de ses électeurs. Il dit que le changement, ça prend de la patience. En tant que golfeur, il a appris cette leçon et l'a appliquée dans cette chambre. Après quelques années, il avait rédigé jusqu'à quelques 600 000 lettres pour ses électeurs. Et après avoir été élu en 1975, il est devenu ministre des collèges et des universités. Il a gagné encore une fois en 1977 et a été nommé plus tard ministre de l'Environnement. Mais Harry, il ne restait pas toujours dans le même endroit. Et même un appel personnel de la part de William Davis n'a pas convaincu Harry à être candidat encore une fois en 1981. Sa femme était contente de l'avoir à la maison plus souvent. Après la retraite, il est retourné à son amour pour les chevaux et il a joué le rôle d'un colonel de Kentucky. Dans sa 94e année, il est décédé en 2019. Après sa mort, il a continué de contribuer à sa communauté. En octobre de cette année, dirigé par sa femme Donna, la famille a donné 5 000 $ à l'hôpital Queenston en souvenir de Harry. Cela a été utilisé pour une douche accessible pour les patients de l'hôpital. Son fils Craig a expliqué à quel point l'hôpital est devenu important pour lui à cause des soins qui lui ont été offerts. Il se sentait à l'aise dans cet hôpital, dit Craig. Nous savons qu'il faut beaucoup de temps pour représenter ses voisins dans cette chambre. Le temps perdu avec la famille est éloigné de nos passions. Et le cadeau le plus important qu'on peut donner, c'est son temps. Et c'était clair que Harry adorait sa communauté. Pour sa femme Donna, ses enfants, Craig, Nancy et Laurie, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Merci d'avoir partagé Harry avec nous. Député de Guelph. Merci, Président. J'ai l'honneur de prendre la parole pour rendre hommage à Harry Craig Parrott, ex-député conservateur et
ministre. Merci pour son service. Merci également aux membres de sa famille qui nous écoutent. Il a été élu député d'Oxford en 1971. Il a servi jusqu'en 1981. En 1975, il a été nommé ministre des collèges et des universités. Et en août 1978, il a été nommé sixième ministre de l'Environnement de l'Ontario. En tant que ministre de l'Environnement, il a dirigé les efforts pour contrer la pluie acide, y compris des ordonnances de contrôle sur l'éco à cause des émissions des centrales de charbon. Et son projet de loi, Phil Bill, a lancé la proposition « Le pollueur doit payer ». Et en tant que ministre de l'Environnement, il a fait un rapport à la Chambre concernant les efforts de la Commission conjointe internationale concernant la protection des Grands Lacs. Quelqu'un l'a interrompu pour dire « Pourquoi vous parlez de cela depuis 10 ans ?» Et comme un grand Canadien, Harry a dit « C'est à cause des États-Unis et la pollution que eux ils mettent dans les Grands Lacs. » Et ici au Canada, nous faisons de bonnes choses. Et Harry, d'après le London Free Press, était quelqu'un qui croyait qu'une personne peut amener des changements dans la société. Et sans aucun doute, Harry Parrott a modifié la société. Il a beaucoup laissé aux Ontariens. Ils peuvent en être fiers. Et merci à sa famille pour avoir partagé Harry avec nous. Merci, Président. Merci. Député d'Oxford, merci beaucoup, Président. J'ai l'honneur d'avoir la possibilité de rendre hommage au service public du Dr. Harry Craig Parrott. Il a représenté Oxford ici dans l'Assemblée de 1971 à 1981. Il est décédé le 2 juillet 2019 à l'âge de 93 ans. Et j'ai le plaisir de partager un peu sa contribution généreuse à la communauté, à la province. J'espère que la famille comprend à quel point il a joué un rôle important. Chaque famille de politiciens doit s'adapter lorsque un être cher est élu au service public. Ils sont souvent absents et lorsqu'ils sont chez eux, il y a souvent des appels, des lettres. Ils nous ont parlé des milliers de lettres rédigées par Harry pour ses électeurs. Leurs sacrifices l'ont aidé à servir le public et nous n'oublions pas. Il s'est engagé à être député pendant 10 ans, assez longtemps, pour apporter des modifications, pour changer des choses. Il a fait la différence, non seulement à Queen's Park, mais également dans de nombreux postes à travers les années. Après avoir eu son diplôme de dentiste en 1947, il a épousé son amie d'enfance, Isabel Walker, également résidente de Mitchell. Ils se sont installés à Woodstock. Et après, pendant 56 années de mariage, ils ont eu 3 enfants. Leur travail de famille à la maison a permis à Harry de se dédier à ses devoirs de député. Ils ont 8 grands petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Il était dentiste et plus tard orthodontiste à Woodstock. Et pendant cette période, il était très impliqué dans la communauté. Il a commencé donc son service public. Il a été élu membre du conseil municipal pendant 5 ans. La commission scolaire, 3 années. Commission des services publics, 3 ans. Et il a été président de la Croix-Rouge d'Oxford County et chef de campagne pour Entraide Woodstock. Il a été membre de beaucoup de comités pour de nombreuses organisations caritatives. Même lorsqu'il était tellement occupé, il avait toujours du temps pour sa famille, pour jouer au golf et pour travailler avec ses chevaux. Il était bien aimé.
Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il a été élu trois fois. Il est décrit comme quelqu'un de très décent, qui avait l'air très distingué, et il avait certainement une présence. Il était fier de Oxford et humble d'être représentant d'Oxford à Queen's Park. Pendant une discussion, il a un peu digressé, il a parlé de sa construction. Il a dit, je cite, « C'est une ville excellente qui représente fièrement aussi bien que n'importe quelle circonscription, la colonne vertébrale de l'histoire de cette province, son héritage agricole et sa réputation est méritée. » Et Harry était notre député lorsque le gouvernement a adopté la loi de restructuration du comté Oxford de 11 à 8 municipalités pour simplifier le gouvernement local. Il avait beaucoup de rôles pendant son service à la province. Il était membre de plusieurs comités, nommé ministre des collèges et des universités de 1975 à 1978. Président, il était également pour l'environnement. Et donc, tout à fait approprié qu'il a été nommé ministre de l'Environnement entre 1978 et 1981. Ces politiques environnementales ont orienté la recherche d'un nouveau site d'enfouissement pour le comté Oxford. Et il n'a pas quelque chose de populaire chez lui. Et il trouvait que le compostage et autres, c'était des éléments importants pour le développement d'un ministère assez neuf. Et il y a eu discussion en 1983 lorsqu'on a dit qu'en 1978, le Dr. Parrott a été fier de rédiger un petit livre bleu sur la gestion des eaux qui a été révisé de nombreuses fois. Il y avait des lignes directrices, des critères pour la gestion de la qualité de l'eau. Ce livre est toujours disponible sous forme numérique dans la collection de la bibliothèque parlementaire. Mitchell a reconnu Harry en 2017, nommant un poste de pompage pour lui. Il a pu assister à cette cérémonie avec sa famille. Et les nombreux hommages faits à Harry suite à son décès, Janet Ecker a écrit qu'elle avait travaillé pour Harry lorsqu'il était ministre de l'Environnement. Il a dit « meilleur gentleman, un meilleur être humain, je ne l'ai jamais rencontré. » Et j'ai beaucoup appris de lui, non seulement concernant la vie, sinon comment être un véritable serviteur du public. Fin de citation. L'ex-député Norm Sterling a également remarqué qu'il avait tellement de respect pour Harry, comme quelqu'un de généreux, intelligent, un plaisir de travailler avec lui. Et après son expérience dans l'Assemblée, il pensait souvent au respect, à l'exemple de Harry, qui était quelque chose à imiter. Moi-même, j'ai eu la chance de bénéficier du conseil de Harry. Lorsque je me préparais à être candidat, en 1995, j'ai consulté Harry pour demander son conseil. Après tout, c'était lui l'expert. Et il m'a dit qu'il y a deux femmes qu'il fallait que je rencontre et qui pourraient m'aider à me faire élire. Il a même proposé de me présenter à ces deux femmes. C'est là qu'il m'a présenté à ses deux filles, Nancy et Laurie, qui m'ont aidé dans ma première campagne. Vous allez dire peut-être qu'elles ont dirigé ma première campagne. Leur travail, leur expérience appris auprès de leur père, c'était très apprécié. J'ai lancé donc ma carrière dans le gouvernement provincial. Harry a toujours soutenu mes efforts et pouvait toujours me donner de bons conseils. Lorsque Isabelle est décédée en 2003, Harry a fini par déménager à Cambie, où elle a rencontré Donna Wood. Les deux aimaient beaucoup les chevaux, les courses de chevaux, et continuaient de travailler avec les chevaux pendant des années. Peu après son décès, la famille a fait un don à l'hôpital Clinton. Tous étaient là pour la présentation, pour une cause très chère à Don et à qui voulait garder l'hôpital dans la communauté, à Harry, parce qu'il a reçu des soins. Il a été élevé à Oxford et a pris sa retraite à Bruce. Nous sommes fiers de l'avoir eu pendant bien des années. Merci à la famille pour l'avoir soutenu. Oxford, c'est un lieu meilleur parce que Harry Parrott en a fait un endroit meilleur.
Merci beaucoup. Merci à la famille de Harry Parrott pour sa vie et pour son service public.